Bonjour à tous, je suis Markian Beretiatko et je suis heureux de dire que bientôt à Lyon, le concert de Yuri Fedinsky, un musicien exceptionnel, un luthier qui fait fabriquer, restaurer les instruments oubliés d'Ukraine, les instruments à cordes de famille de la harpe comme la kobza, la bandoura et le torban. Ces instruments étaient connus au XVIe, au XVIIe siècle. Ces présentations permettent de découvrir le son de cette époque. Actuellement, Yuri, il est descendu à la péninsule ibérique et bientôt il va monter sur Lyon. Je suis avec Alexandra Sergeyeva, la présidente de l'association Ukraine Amitié de Bordeaux, qui a accueilli Yuri il y a quelques jours. Voilà, Alexandra, bonjour. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert grâce à ce concert et présentation? Bonjour à tous. C'était un concert très très sympathique. C'est une personne avait un parcours assez atypique parce que il a vécu toute sa vie aux États-Unis et il est rentré en Ukraine parce qu'il est d'origine ukrainienne. Et ça fait 23 ans qu'il est en Ukraine. Il a fondé une famille, donc ils habitent à côté de Poltava, dans un village Krechkivka. Il est aussi un luthier, donc il fabrique tous ces instruments qu'il a montré, présenté, oui. Comme il a dit, comme on ne trouve plus beaucoup ou plus du tout aujourd'hui ces instruments dans les écoles ou tout simplement en Ukraine, c'est introuvable. Donc il a dû s'y mettre tout seul. Lui-même a fabriqué ses instruments. Donc, il a son atelier chez lui. Il a dû faire tout un travail de recherche pour retrouver les méthodes de fabrication, en fait, pour tout retrouver, parce que, disons que la base a été perdue, en fait. Si je ne me trompe pas, c'était un peu mal perçu par les autorités soviétiques. Ils essayaient d'éradiquer le mouvement des joueurs de kobza. C'était Oui, il va critiqué parler de tellement. ça. Il va parler de l'extermination, en fait, des Kobzars dans les années 30-33, en fait, à Kharkov. Ils étaient fusillés, comme on le sait, rassemblés et fusillés. Et donc, une bonne partie de cette mémoire est disparue à cause de ça. Oui. Et donc c'est bien que finalement ses ancêtres ont parti aux États-Unis, comme ça ils ont pu garder la tradition qui était quasiment disparue sous les Soviétiques. Voilà. Merci Alexandra pour ces informations. Ça sera utile pour ceux qui voudraient voir Yuri en personne le 13 novembre à l'église Saint-Athanase à Villeurbanne. Merci. Merci, Marquen.